Bon bah écoutez les amis, nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, bon bah il pleut, hein, donc je vais en profiter pour rouler quand il pleut. Comme ça fait, voilà, comme j'ai beaucoup de route, j'ai quand même 4h30. Là il va être 10h, 4h30, bon je vais mettre sûrement 5h30 parce que on va aller jusqu'à Lisbonne. Voilà, je vais tracer, je pensais faire une étape, mais bon vu qu'on est resté un petit peu longtemps ici au bord de la côte, et bah, je vais tracer directement à Lisbonne. Voilà. Parce qu'après, il faut que je continue la route. Hein. J'ai encore pas mal de trajets avant de rejoindre la France. Donc, je voulais faire Porto, Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, avant de repartir sur la droite. Donc, voilà, on va pas trop traîner non plus. Donc, là, on va aller dire au revoir à Claude et puis à Maya, hein, ta copine. Bah, fais pas cette tête, on les reverra. Hein. Bah, ouais. Hein. C'est la fin. Hein. Maya est un petit peu triste quand même. Oh là là. Elle pleure. Falcor, il était occupé à essayer de trouver de la bouffe là-bas, hein, comme d'habitude. Petit malin. Bon, bah voilà. Bah écoute, merci encore Ben, de voilà, pour ce rien, bon petit moment et qu'on a puis à la passé. Hein, c'était prochaine. sympa. Et puis, bah, on se reverra. Allez les amis, c'est parti en route donc pour 321 km. Bye bye.
Bon ben les amis, ça y est, c'est officiel, nous sommes à Lisbonne. On est en train d'arriver tout doucement, on se rapproche. Il reste encore 4 km pour aller jusqu'au spot, qui est juste à côté hein, vraiment de Lisbonne. En tout cas, le pont est magnifique ici. Là. Ouais, on est plutôt du côté Alcantara, mais bon, ça fait partie de la périphérie de Lisbonne. Ah, par contre, ça freine d'un coup ici, ils arrivent comme des fous. Voilà. Nous, on va prendre la prochaine sortie qui est à 750 mètres. Il reste encore 2,6 km. On sera vraiment juste à côté. Bon, enfin, on sera au plus proche et normalement, on va pouvoir dormir. Enfin, j'espère. Normalement, le spot est assez calme. Ça me fait trop bizarre de revenir ici. En tout cas, je reconnais pas mal les routes, comme on était venu en voiture. De mémoire, je crois que c'était en 2017. Donc, ça fait déjà 7 ans. Hein. 7 ans que je n'étais pas revenu ici. Donc ça me fait plaisir, ça fait bizarre surtout de revenir ici. Ça grimpe pas mal hein, pour aller jusqu'au spot. Je pensais pas que c'était aussi haut. Mais c'est vraiment le seul endroit que j'ai trouvé assez proche de la ville et où on peut dormir normalement tranquillement parce que c'est quand même un parc. On y est presque là. Encore les 500 mètres. Ça y est, je suis arrivé. Alors, par contre, c'est vrai que c'est quand même proche de la route. Normalement, il y a un point d'eau. Je me serais bien mis là. Ah, peut-être ici, sinon. Je vais peut-être essayer de me mettre ici de ce côté-là. Parce que il y a une place là-bas pour se garer. Il y a des places ici. Et là-bas, c'est super proche de la route, ce qui est quand même assez passante. Donc, je vais peut-être me mettre de ce côté-là. Ah bah écoutez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de circulation. Il y a des cars. Vraiment, ça circule beaucoup. Donc, j'étais en train de regarder un autre spot juste à côté. J'avais pas vu en fait. Il y en a un autre. Enfin, il y en a même plusieurs. Mais il y a celui-ci qui serait peut-être, je sais pas, peut-être moins bruyant. Ça fait un grand parking comme ça. D'après les photos, ça a l'air d'être assez grand. Donc, je pense que je vais aller plutôt là-bas. Puis ça me rapprochera un petit peu. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment à côté du centre. Hein. Le centre de Lisbonne, c'est vraiment ici quoi. Après, il y a d'autres parkings, mais là c'est la folie quoi. Pour dormir, ça va être compliqué parce que moi je vais visiter demain en fait. Hein. Je veux me poser, commencer à préparer le vélo, tout ça pour demain parce que je pense que je vais le faire à vélo. À moins que je prenne les transports en commun, je vais réfléchir. Mais je pense que je vais aller tenter ce parking là qui m'a l'air un petit peu plus calme. Voilà. Allez, on va faire ça. Avant de repartir, je vais aller remplir un peu mon bidon parce que là, j'ai plus d'eau du tout. Donc, je sais qu'il y a une fontaine sur ce spot-là, donc avant de partir, hop, on va remplir. Bon, on entend aussi un petit peu les avions, l'aéroport qui est pas loin. Le point d'eau, il est juste là. Je dirais que ça a été fait pour. Regardez, je l'ai coincé juste pile poil. C'est un petit filet d'eau, mais on va remplir tout doucement. En tout cas, il rentre impeccable. Et j'ai à peine fini de remplir la bouteille, c'est assez long quand même, que je me disais, ça c'est bizarre, je commence à avoir la migraine. Et je viens de voir qu'en fait, juste là-bas, alors je sais pas si vous allez voir dans les arbres, je vous montrerai après, mais juste au-dessus du camping-car, en fait, il y a des antennes 4G. Regardez, c'est vraiment juste là. Je ne l'avais pas vu tout de suite, mais je l'ai ressenti. Je commence à avoir la nausée. Donc bah écoutez les amis, on va essayer d'aller sur l'autre spot. Hein. Alors le parking il est aussi un peu en bord de route hein. Les photos parfois c'est pas très représentatif. Et vu le nombre de personnes dans leur voiture, je pense à mon avis que c'est un endroit où il y a des rencontres. Donc on va faire un demi-tour et on va chercher un autre spot. J'en ai marre. Bon, j'en ai trouvé un autre, c'est le parking municipal d'une piscine en fait. Ça me rapproche un peu du centre. Mais ouais. Je sais pas trop, on va aller voir, ma foi, de toute façon. C'est vrai que je suis arrivé tôt, du coup, j'ai bien fait d'arriver tôt, comme ça il est encore que 16h20 bientôt. Et comme ça je peux faire plusieurs spots et voir un petit peu où est-ce que je vais dormir, parce que là, dans les grandes villes, c'est compliqué. Hein. En tout cas, regardez, on aperçoit le fameux pont de Lisbonne et puis la statue tout au fond là-bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez. Bon, le parking est plein à craquer et
Là, ils sont en chantier, ils s'en occupent à détruire. Je vais pas me mettre là. Hein. Comment dire, les amis? Je ne trouve pas grand chose. C'est ouais, compliqué. Je galère là, je trouve pas. Assez proche du centre, mais pas trop non plus. Enfin, qui n'a pas eu une route, autoroute à côté, quoi. C'est pas évident. Pas évident, pas évident. En tout cas, des coins qui sont un peu craignos, alors. Ouais. Ici, c'était pas trop mal, mais. Il y a des travaux à côté. Je pense qu'il y a des engins qui vont passer, donc je vais gêner. Le parking est plein. Non, c'est pas la peine. Ouais, je vais essayer de trouver autre chose. Bon bah écoutez, j'ai trouvé un parking qui est pas loin du pont qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de place. Je pense que je trouverai pas mieux gratuit parce que tout le reste c'est payant hein, dans le centre. Donc bah écoutez, on va tenter ça. Je pensais avoir un peu de forêt pour faire le corps, mais avec l'antenne 4G, c'est même pas la peine quoi. Puis ouais, il y a trop de passages. Là, ça a l'air d'être quand même un parking un peu isolé de la route, à part le pont qui est au-dessus, mais bon. Écoutez, on va essayer, on va voir. En tout cas, en avant-première, les rues de Lisbonne. Cette fois-ci, on peut vraiment dire que Yves, il est vraiment là, dans Lisbonne. On va même prendre les routes en pavé, là, un petit peu. J'espère qu'il va pas me faire passer dans les grosses montées, là, parce que je me souviens, c'était une galère avec la voiture. Je suis en train de voir qu'il y a encore des antennes 4G ici, là. Il y en a vraiment de partout, là. J'espère que sur, vers le parking où je vais, là, il n'y en aura pas. Parce que, là, je pourrais pas dormir, ça, c'est clair et net. Ça va, il me fait prendre les grands axes quand même. Donc là, on est en train de ressortir un petit peu du centre. Ouais, j'espère quand même que le parking n'est pas non plus trop collé à la route. Ça circule. Hein. Franchement, ça me fait bizarre d'avoir autant de voitures là. C'est à Paris quoi. Il recommence à pleuvoir d'ailleurs. Ouais, j'espère quand même savoir me garer. Ça n'empêchera pas qu'on sera à côté du train, mais je crois que la nuit quand même il s'arrête. Ouais, c'est la ville quoi, j'ai pas trop le choix. Bon bah écoutez, comment dire, c'est plein à craquer là aussi. Et je crois que j'ai vu quand même quelques places. Allez, on va essayer de se garer. Bon, bah écoutez, voilà quoi. Je pense que ça ira quand même pour une nuit, et puis c'est tout. Hein. Demain on visite, et puis après on part vite de là. Je suis entouré de routes, il y a une route ici aussi qui passe. Il y a le pont, il y a. Et je voulais me mettre un peu plus vers le mur là-bas, mais c'est là que c'est blindé. Et comme j'ai le vélo derrière, je me suis mis du côté de l'herbe derrière, contre le trottoir. Normalement, je bloque personne là pour qu'il puisse sortir. C'est un peu juste quand même. Je sais pas si je vais aller voir un petit peu plus loin, si je peux me garer. Je vais y aller à pied. Bon, je pense que je vais rester là où je suis. Là, il y a quelques places, mais ça penche pas mal. Et ça changera rien, en fait, j'aurai toujours autant de bruit. Donc, là où je me suis mis, au moins, j'ai pu reculer à fond pour pas trop dépasser de la place, parce que les places sont quand même courtes. Bon, voilà. Écoutez, je vais dormir ici, hein, côté de l'autoroute qui passe. Donc, on a l'autoroute, on a le train, et puis on a des routes autour. Voilà. Aïe, nous avons les avions aussi. Voilà, on aura tout cumulé sur un seul spot. Avion, voiture, train, autoroute, voilà. Parking bruyant. Bon bah les amis, ça va être pareil, regardez, il y a des antennes 4G là-bas sur l'immeuble, j'avais pas vu. Ça, depuis tout à l'heure j'ai mal à la tête, je me suis dit peut-être que c'était le reste de l'ancienne antenne 4G, mais non, c'est parce qu'il y en a juste à côté. Vraiment sur le bâtiment, il y en a plein là. Il faut bientôt faire nuit, d'ici 20 minutes, une demi-heure. Je sais pas quoi faire. En plus apparemment sur ce parking il y aurait pas mal de vols de vélos, j'ai vu ça sur un commentaire, tout ça. Enfin, apparemment il n'y aurait pas de caméra ici, donc les gens ils tournent un petit peu et puis ils volent quoi. Pas très rassurant, je sais pas. J'ai regardé un petit peu encore avant de sortir Folcor, s'il n'y avait pas autre chose, mais il n'y a rien, hein, franchement. Hein. Sinon, il faut s'éloigner vachement, quoi. Je sais pas. Bon, écoutez, hein, j'ai décidé de bouger parce que là, ça va pas du tout hein, ici. Là, j'ai vu un autre spot qui a l'air d'être bien, où ils disent que bah, y a des grandes places. Apparemment, il y a un point d'eau.
Donc il y aura de l'espace pour Gros Toutou aussi parce que il y a de l'herbe autour. Et c'est pas très loin de la tour. Comment elle s'appelle déjà? Oui, la tour de Belém. Et c'est vrai que c'est là-bas que j'avais mangé les pastels de nata qui sont vraiment faits sur place. Il y a un petit, enfin une sorte de petit resto qui fait ça. Et justement, je voulais y aller. Et de là-bas, il y a normalement le train pour ensuite aller, enfin la trame pour aller jusqu'au centre. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va bouger. Hein, mon gros? Ouais, on va pas rester ici parce que là, il est craignos ce parking. J'aime pas. Il y a les avions qui passent. Il y a le train, il y a tout ce qu'il faut pas, quoi. Plus les antennes 4G. Là-bas, j'espère qu'il n'y aura pas d'antennes 4G. Quand on regarde sur le plan, il faut que je, limite que je regarde sur le. Mais bon, sur, vous savez, des fois, il y a des plans où on peut voir les antennes 4G où elles se trouvent. Mais bon, là, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais bouger. Donc, nous, on est où? On est ici. On va aller tout là-bas. Jusqu'à la tour de Belém. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment à côté, mais c'est un petit parc, voilà, qui est un peu à l'écart, donc ouais, je pense que ça sera quand même mieux qu'ici. Je crois que j'ai jamais été aussi contente de quitter un spot. Même si j'ai pas dormi. Je me sauve d'ici. Je vais prendre de l'élan pour grimper, je vous dis pas. J'ai pas intérêt à ralentir parce que là. Oh là 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 là, ça grimpe, Lisbonne. Ah non, ne tombe pas. Oh là là, je suis en deuxième, il est en train de caler là. Il s'arrête. Allez, on est presque en haut. Allez, on est presque en haut. Il faut tourner à droite après. Ah, punaise. Oh, j'ai cru qu'il montait pas en deuxième. Il fallait passer la première. Je vous dis pas dans quoi il m'a fait passer là, dans des toutes petites rues de quartier. Oh là là, heureusement je vois le périph là. Allez, on y croit. C'est pas très loin, on est à 15 minutes. Bah écoutez, rien qu'ici déjà, je me sens plus en sécurité. Ouais. Ça fait moins quartier, pleine ville, c'est plus des résidences ici. Donc bon, ça a l'air plus calme. Limite, je pourrais presque me garer là sur le côté. Mais bon, je vais aller jusqu'au parking, hein, il est à 500 mètres là, il reste. Bon, bah écoutez, ça va être clairement mieux. Regardez, il n'y a personne, il y a une voiture là. Il y a un parc tout autour. Voilà, on peut même être à l'ombre, en plein été c'est impeccable, il y a une poubelle. Voilà, bah écoutez, je vais être beaucoup mieux ici, hein. Je vais me mettre là-bas au fond. Ah, les amis, je suis rassuré. Bon, il y a des chiens qui aboient, il y a des résidences. Jamais, c'est jamais parfait. Mais là, franchement, par rapport à tout à l'heure, soulagement, parce que là, je me voyais vraiment pas dormir avec ce boucan qu'il y avait entre l'autoroute. Enfin, c'était infernal, quoi. Un bruit de fond constamment comme ça, puis les trains et tout ça. Non, là ça va être nickel franchement, la poubelle, là-bas il y a un, je crois qu'il y a un monument, il y a quelque chose, parce que là déjà il y a une statue, puis là-bas il y a... on va aller voir ce que c'est, on va aller faire le tour du patelin. J'ai sorti Gros Toutou vite fait en vitesse tout à l'heure, mais j'étais vraiment pas rassuré de laisser le CC, alors je me voyais pas le laisser vraiment toute la journée, même si Falcor était dedans, j'avais peur qu'on me braque la caisse ou quoi. Donc voilà, rassuré. En plus les places de parking elles sont vraiment très très grandes, hein. Comme on avait pu voir sur les photos, c'est vraiment grand. Et je vais pouvoir, du coup, sortir le vélo facilement. Voilà, comme ça j'ai la place derrière. Parce que je pense que finalement, je vais peut-être faire Lisbonne à vélo, je vais voir. Ou alors je prends les transports en commun, j'hésite un petit peu. C'est vrai qu'à vélo, ça va être sympa aussi. On verra ça demain. On va aller voir un petit peu ce monument là-bas. Je vais prendre Gros Toutou avec moi. Qui se dégourdisse un peu les pattes aussi, parce que tout à l'heure c'était vraiment une sortie très rapide. Hein mon gros? On a même les petits oiseaux qui chantent. Ouais, c'est quand même plus agréable. On entend un petit peu l'avion encore, qui pas les avions qui passent. Mais franchement, c'est vraiment un tout petit peu par rapport à là-bas. Voilà, là on a une statue. Alors, qui c'est celui-là? Apparemment, c'était un grand poète ukrainien. Ouais, je pense que c'est ça. Faudrait que je traduise. Taras Shek. Alors, dur à dire ça. Shek.
Shevchenko. Voilà. Bah écoutez, très cher monsieur, enchanté. Regardez ce que je vous disais, l'avion. Voilà, on l'entend un petit peu, mais il passe pas au-dessus de nous. Parce que là, on était vraiment dans l'axe. Le parking était vraiment dans l'axe du passage de l'avion. On voit même la mer là-bas. Enfin, c'est l'océan, plutôt. Ouais, on est vraiment pas loin. On ira voir ça demain. Et là, il y a un monument. On dirait que c'est une église. Je n'ai jamais venu ici, dans ce coin-là. En plus, elle est éclairée, donc cette nuit, ça va être magnifique, je pense. Il fait encore un peu jour. Mais je pense que là, c'est l'air d'être une église. Oh, on a la vue sur mer, là-bas. Là, il y a une porte. C'est fermé. L'entrée principale, apparemment, c'est ici. Donc, ouais, c'est bien une église. Alors, j'ai pas vu le panneau. Faut savoir le nom de l'église. On ira voir après là-bas. Mais regardez, c'est plutôt sympathique quand même cet endroit. Parce qu'on a vraiment une belle vue sur le coucher de soleil là-bas. Il se couche juste au niveau de la mer. Ouais, on est pas mal placé finalement. Je suis bien content d'être là. Et après, ouais, soit je longerai le quai à vélo demain, soit je prendrai les transports. Là, on voit la tour, je crois. De Belém, regardez, je vais zoomer un petit peu. Hop, il y a même un bateau qui est en train de passer juste derrière. Ouais, il me semble bien que c'est elle. Et on ira manger aussi les pastels de nata dans le petit resto qui est pas ici, hein. Il est vers le bord de mer aussi, je crois. Donc ouais, ce sera ce qu'on fera demain. Et du coup, j'ai regardé sur internet parce que je trouvais pas de panneau. Et en fait, c'est l'ermitage de Saint-Jérôme ici. Regardez, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a un escalier là qui descend pour aller justement rejoindre un petit peu le centre en bas et le bord de l'eau. Donc je sais pas trop si demain je vais prendre le vélo ou les transports en commun, parce que je vous avoue que en fait je me perds souvent dans les transports en commun et j'ai peur de me gourer, de me perdre. Je sais pas. Et est-ce que j'aurai assez de temps de tout faire en une journée? C'est vrai qu'en une journée ça fait un peu court à Lisbonne. Je me dis à vélo j'aurais peut-être plus facilement je bougerai plus facilement qu'avec les tramways. Je sais pas tout ce qui est le plus rentable. On verra demain. J'ai repéré le lieu, regardez, c'est ici que se trouve le petit resto qui font les pastels de nata. Et si je veux tout faire, hop, après il y a le train là qui passe ici pour rejoindre le centre. C'est vrai que ça fait quand même une trotte, hein, parce qu'il y a aussi la grande place à aller voir ici. Il y a plein de choses à voir. Donc bah écoutez, on verra. On verra. Ah oui, il y a le château Saint-Georges aussi. Il y a plein de choses à voir.